T'es là? Ah ben oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau Télépêche. Chez De Conac, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et merci pour toutes vos commandes, pour le tourteau, on en a vendu énormément. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos de pêche via Messenger ou par mail sur la boîte contact. Vous avez l'adresse en bas du site et puis on les publiera sur nos pages Facebook. Je vous souhaite de faire un carton avec les tourteaux de chaîne vie. On en a vendu vraiment beaucoup et je vous remercie pour toutes vos commandes. N'oubliez pas de vous abonner, de parler de la chaîne à vos amis pêcheurs. Vous cliquez sur abonner et puis sur la cloche pour recevoir les notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Alors après une semaine spéciale tourteaux de chaîne vie, on va faire une semaine spéciale Babycorn, voilà. Bon, le Babycorn, on n'est pas les seuls à le distribuer. Babycorn, on pose souvent la question de savoir ce que c'est. Alors, le Babycorn, c'est obtenu à travers une récolte du maïs jeune, avant qu'il soit pleinement en pleine maturation. C'est un maïs qui est gavé de lait sucré. C'est pour ça que les cyprinidés apprécient ces pelés. Et ensuite, ces maïs et ce lait, enfin ces maïs gorgés de lait, sont déshydratés et après on en fait un pelé. Voilà, c'est exactement ça le babycorn. Bon, c'est pas nouveau, hein, c'est un gros carton pour les pêches de cyprinidés, gardon, brème. Tanche, carpeau, carpe. La publicité du babycorn n'est plus à faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, on vous propose, là j'ai fait le tour du net, des prix tout à fait sympas en 3 kg, 10 kg et 20 kg. Alors bien sûr, quand vous commandez des conditionnements assez lourds, on ne peut malheureusement pas vous offrir les prêts de port, mais vous avez Mondial Relais, avec des tarifs tout à fait attractifs, parce qu'on sait envoyer 25 kilos pour à peu près 7 euros. Bon, alors Mondial Relais, c'est plus long, mais c'est aussi beaucoup moins cher que nos transporteurs traditionnels, GLS, DPD et Bipost. Voilà. Vous avez le choix dans votre panier, en fonction de votre volonté de livraison. Si vous êtes rapide, vous choisissez GLS, DPD, Bipost pour la Belgique. Et si vous avez un peu de temps, choisissez Mondial Relais. Ça vaut le coup au niveau des tarifs. Alors, ce babycorn, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, pour amorcer, mais aussi pour pêcher. Là, on a fait des trempages dans notre huile de chêne vie et l'huile de saumon. Et si vous le trempez la veille de la pêche, ça fait 24 heures que ça trempe, le babycorn s'imbibe un petit peu d'huile, et bien sûr, il est beaucoup plus attractif que si vous pêchez de façon classique. Et là, à travers notre fournisseur, on lui a demandé de nous faire des farines pour que ça soit incorporé dans vos amorces, et on l'utilise aussi nous les deux moutures dans nos amorces pour certaines recettes. Donc vous avez la farine de babycorn en fine mouture, voilà, et vous l'avez pour des pêches de gardons, de petits poissons, et vous l'avez en grosse mouture pour des pêches carpes, brèmes, tanches, des cyprinidés un peu plus gros. Là aussi, vous avez des prix promo en 3 et 10 kg, et là, la grosse mouture, c'est 3 et 15 kg. Voilà. C'est la semaine spéciale babycorn, profitez-en. Je pense que nous sommes pas trop mal placés sur cette gamme de produits. Allez, on va aller voir quelques produits Télépêche. Chez Matrix, la station F25, là, je pense qu'on est très très bien placé en termes de prix. Pour le Télépêche, elle est à 319 euros. Une station magnifique. Là, vous avez un tiroir de 60 déjà compartimenté. Hop. Vous avez un casier de 60 également. Après, vous avez en option les casiers si pour mettre vos lignes. Là, le ponton se rentre, bien sûr. Hop.
Voilà, et les pieds sont ajustables, même par le bas. Tac. Et vous avez aussi un niveau pour voir si votre station est bien droite et stabilisée. Voilà, 319 €. Je pense que ça vaut le coup si vous êtes à la recherche d'une station. Hop, je vais passer derrière. Ça veut peut-être. Chez Sensas, je ne vais pas la passer un ensemble salopette plus veste, un ensemble imperméable. On a toutes les tailles, hein, du S au triple, voire quadruple X, jusqu'au 4XL. Et là, vous avez un prix tout à fait sympa. J'ai fait le tour du net, je pense qu'on n'est pas trop mal placé, à 159 €. Hop. Voilà, c'est très pratique, hein, pour les pêches de début de saison, quand il fait un peu frais le matin, de vous mettre de façon confortable pour attaquer votre session. Chez Starbet, une épuisette carpe et carnassier. Hein. Alors, elle est réglable. J'ai plus de force avec... voilà. une épuisette réglable. Alors, ces épuisettes, elles sont super bien conçues parce que si vous avez des herbes... sur votre poste ou alors des nénuphars, le fait qu'elle soit rigide, ça vous permet d'enfoncer les herbes et là vous pouvez épuiser correctement. Et la tête est bien sûr amovible pour prendre soin du poisson au maximum. Voilà, une épuisette très très sympa. Je vous fais un prix spécial Télépêche et Gauthier vous met les dimensions. Qu'est-ce que l'on a de beau aussi? Ah, chez Garbolino. Le rouleau horizontal match, un rouleau que vous pouvez monter jusqu'au plafond. Gauthier vous met les dimensions. On va le monter en hauteur là dans la salle aux amorces. Et là aussi, hein, vous avez un prix tout à fait sympa pour le télépêche. Et Gauthier vous met les dimensions. On a fait le tour là. Ah ben non, il y a des cannes. Chez Garbolino, la Tekea Match, moi c'est ma canne, une canne très rigide, elle répond très très bien, hein, je l'ai pris en 10 mètres, je l'adore parce que c'est une canne mixte, donc moi sur un des kits j'ai fait monter un stripper pour pêcher la carpe, jusqu'à des poissons de 10 kg, j'ai monté en 2-6, 2-4, je m'amuse bien, et puis après vous avez un autre kit, elle est vendue avec un petit fourreau, un autre kit sur lequel vous pouvez le monter en kit match. Voilà, c'est génial. Petit fourreau, canne rigide, un kit supplémentaire. J'adore cette canne. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. Vous avez le prix spécial Télépêche ici. Gauthier vous met ça. Hop. Après, chez Sensas, la T-Rex 34. Alors, vous voulez vous initier en carpodrome? Là, vous avez une canne de 9,50 m. Ça permet déjà de prendre pas mal de poissons, pas toujours obligé d'aller les chercher très loin. La canne est rigide, elle répond très très bien. J'adore. Là, elle est montée. Les stripas sont directement percés. Hein. Vous n'avez plus que... Gauthier vous met une photo. Hop. Et ça, c'est aussi en 9,50. Un vrai plaisir, cette petite canne. Et elle est vendue avec un kit supplémentaire et une talonnette pour... ah oui, là je l'avais en 9 mètres, comme ça, et si vous mettez la talonnette, vous l'avez en 9,50. Mais vraiment, elle répond très très bien. Ensuite, un kit, si vous désirez commencer la compétition, qui est super bien fait, hein, le parallèle match 254. Donc là, je l'ai en 11 mètres. C'est une canne super rigide, légère, agréable. Vraiment, elle répond très très bien. C'est une canne match. Hein. Ensuite, vous pouvez la passer en 13 mètres. Hop, en mettant la talonnette. Bon, là, elle est un peu plus souple, ce qui est normal quand on rallonge le talon. Mais vraiment, c'est un pack pour vous faire plaisir en pêchant gardon, brème, carassin. Parce que vraiment, elle est super agréable dans ses longueurs. Et c'est un pack qui est vendu avec
un kit coupelle, 3 kits supplémentaires et le talon de 13 mètres. Voilà. Là, vous avez un prix spécial télépêche. Je pense qu'on n'est pas trop mal placé. Et vraiment, c'est une super canne si vous voulez vous faire plaisir pour pêcher au coup. Voilà, je vous dis merci pour tous vos messages sympathiques. On va éviter de tout casser. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau télépêche. Ciao !